Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing avec la boutique DP Club. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un Diamond Painting, un kit de DP, un DIY en Diamond Painting et une broderie. Alors on va commencer par la broderie. Alors désolée, je pense que je vais être que en version face à face, mais bon, on verra. Alors la broderie, pour commencer, c'est un pseudo Joy Sunday, donc un cross stitch 14 CT qui mesure 47 sur 47 cm, taille totale de la toile. Je vous montre déjà le dessin. Voilà. Un petit chat, voilà, avec un peu, c'est un peu aquarelle, voilà. Donc, ça s'appelle Princesse Kitty, voilà, donc, très joli. Alors, la toile et le patron. Qui veut pas venir. Voilà. Oula. Alors, il va. Ah ouais, il y a beaucoup de couleurs. Alors, le patron. Voilà. Donc, toujours. De toute façon, Alors, attendez. Les patrons Dieu et Sandé sont toujours très très bien imprimés. Donc celui-là est en 6 parties. Voilà. Et voilà. Et donc ici, hop, les couleurs. Je me suis fait piquer, je crois. On a 70 couleurs. J'aurais pas cru. 70 couleurs. Alors ça, ce sont les nouveaux patrons, enfin les nouveaux kits. Vous avez ici les symboles et les références pour la version papier. Et ici, la version toile. Voilà, la version de la toile que vous allez broder. Donc, on a 70 couleurs en point de croix et 1, 2, 3, 4. Et il y a 4 couleurs en point arrière. Voilà, donc point arrière, il va y avoir du noir, du blanc et deux autres couleurs. Toile. Waouh. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais rapprocher un petit peu le téléphone. Je vais le pencher un petit peu. Alors, bah, la première plaquette, c'est là où il y en a le moins. Donc, voilà. J'essaye, mais je sais pas, moi, ma... Voilà, je pense que ça ira mieux. Oui. Donc, voilà les premières couleurs. Il y a trois plaquettes en tout. Alors, ça fait un peu des nœuds. Voilà. Excusez-moi, je fais ma petite tambouille. Hein. C'est pour que je puisse vous les montrer au mieux. Ça veut pas, ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. C'est parce que ça faisait des nœuds. Voilà, on va y arriver. Donc, les autres couleurs.
Ensuite, je dis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Ici, les autres. Voilà. Et la dernière plaquette, qui est d'ailleurs la première. Alors, toi, tu restes là. Toi, tu viens là. Voilà. Beaucoup de, vous voyez, de parme, de violet. Et de ce côté ici, pour terminer les fils, voilà, violet, des bleus, du rose. Alors bien sûr, on a nos deux aiguilles, hein, comme d'habitude. Je vais peut-être allumer la grande lumière, parce qu'en fin de compte, on voit pas bien. Juste une seconde. Voilà. Donc, voilà toutes les couleurs. Et je vous les remonte comme ça. Hop. Vous voyez. Ah, il y en a des milliers. Quand il y en a beaucoup comme ça, c'est compliqué, hein. Hop, un petit coup de... Voilà. Et de l'autre côté, je vous les remontre encore une fois. Voilà. Donc, de jolies couleurs. Et on a donc une toile. Alors, elle est assez souple. Elle est assez souple. Alors, je regarde d'abord. Elle est bloc. Voilà, c'est tous des petits blocs, mais enfin des plus ou moins grands, voilà. Mais aucun confetti. Alors, vu le nombre de couleurs, il n'y a aucun confetti. Alors, je vous montre. Voilà. Vous voyez? Elle est vraiment tip-top. Non, elle est vraiment bien. Très, très bien. Même au niveau de la légende. Alors, souvent, les légendes sur les toiles, c'est toujours un petit peu... Je me remets. C'est... Hop ! Je vous dis. J'ai trouvé un nouveau pied. Je l'ai mis dans mon panier sur Amazon. Faut que je me le commande. Parce que celui-là, j'en ai marre. Oui, les légendes que je vous disais, souvent, c'est un peu baveux. C'est un peu... Mais là, regardez. C'est ni... Quel chrome, très très lisible, superbe. Elle est très jolie, cette petite princesse Kitty. J'aime beaucoup. Ouais, elle est très chouette. Beaucoup de couleurs, mais très chouette. Alors, cette princesse Kitty, nous l'avons au prix de 14,79 $, soit 13,64 €. Deuxième article, ce sont donc des DIY Diamond Painting. Et ça va être des aimants à frigo. Alors, attendez. Hop. Voilà, je vous baisse un petit peu. Ça va être plus facile pour vous montrer. Alors voilà, ce sont des papillons. Donc, je vais vous montrer, je ne sais plus combien il y en a, 6 je crois. Alors on a les petits stickers comme ça aimantés, mais c'est pas assez fort pour bien tenir sur le frigo.
Moi, je me remets des aimants normaux. Je recolle des aimants, des vrais aimants. Alors, je vais vous les montrer un par un. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, c'est ça, six. Donc, voilà le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième, le cinquième et le dernier, un peu multicolore. Voilà. Donc, ils sont en plastique, hein, un plastique dur. Voilà, c'est un peu comme une résine. Alors, je pense, alors je vais regarder tout de suite, mais si c'est comme les autres. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. Ouais, si. Alors, je vous montre, si jamais vous devez les acheter. Il y a une pellicule sur l'arrière. Il ne faut pas oublier de la retirer, comme ça, vous voyez, ça... c'est transparent, voilà. Donc, faut pas oublier de retirer la pellicule qui est derrière une fois que vous les avez terminés et avant de coller l'aimant, bien sûr. Et ça, vous l'auriez compris. Donc, ces petits papillons, on a le petit toolkit hein, comme d'habitude. On va les décorer avec des strass. Alors, il est où le bout? Le bout, le bout, le bout. Il est ici. Voilà. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 couleurs, enfin 10 sortes de strass. Des petits strass hein, comme vous avez l'habitude, voilà, et ensuite des spéciaux. Alors là sont des petits ronds, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait comme des petites étoiles, voyez, voilà. Et ici on a des petits yeux de chat. Et ici, de jolies étoiles. Voilà. Alors, ce kit d'aimants frigo papillon, donc 6 papillons, pour 5,99 $, soit 5,52 €. Dernier article, donc, c'est un diamond painting. Bon, vous inquiétez pas, bientôt on sera plus de travers. Hein. Petit toolkit comme d'habitude. Des perles rondes en sachet chapelet. Je vais vous montrer tout de suite le dessin. Juste le temps de bien remettre le plastique qui est un peu chiffonné. Voilà. Alors, c'est un 50-40. Ce sont des perles rondes. Ce sont des perles rondes et on aura 21 couleurs. Voilà. Bon, c'est comme beaucoup les DP maintenant, c'est Chouchou qui l'a choisi. Hein. Donc, ouais, bon, j'arrive pas à mieux le mettre. Bon, c'est pas très grave. Allez, je vous le montre. Vous n'avez pas peur? Voilà. Alors, il y a Scream. Voilà. Là, il y a un pot de glace qui fait peur. De l'autre côté, en lui. Comment il s'appelle lui? Je sais plus. C'est pas celui avec les ciseaux là dans les mains, je crois. Je sais plus comment on l'appelle.
Et là, je connais pas. Bon, moi, les films d'horreur, tout ça, c'est pas. Ah, bah, si, regardez. Si, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, je sais plus son nom. Là, il a un grand couteau. Ouais, moi, les films d'horreur, c'est pas du tout ma tasse de thé. Même le truc qui représente les trucs d'horreur. Ouais, c'est ça, c'est celui avec ses grands couteaux au bout de ses mains, là, mais je sais plus comment on l'appelle. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer les perles. Alors, on va se remettre, s'avancer, on va se pencher. Hop, voilà. Désolée pour le bruit. Alors, combien j'avais dit de couleurs? 21. Alors, d'abord, on va avoir. Alors, ça, c'est le 3865. Chouchou va s'amuser. Ah! Je n'ai pas compté, mais bon, il y en a un sacré paquet. Allez, les couleurs maintenant. Alors, est-ce que ça va aller? Non, ça va pas le faire. Bougez pas. Bah, de toute façon, vous n'allez pas bouger. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ça, c'est le noir. Excusez-moi. Voilà. Un petit vert kaki, là, tout seul. Un petit jaune aussi, tout seul. Orange. Encore du gris. Ah, celui-là, il est tout plié. Ah, voilà. Un beige. Alors là, on a... Pareil, on a enfin beaucoup moins, mais il y a quand même beaucoup de sachets et de rouge, bien sûr. Pour oula, faut faire attention. Je vais mettre un petit bout de scotch tout de suite parce que vous voyez, il est coupé à ras. Voilà, ça c'est le rouge. Donc, alors attendez, je vais le mettre bien comme ça et je vais lui mettre un petit bout de scotch après. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'arrive à vous le remontrer un petit peu comme ça, de plus près. Vous voyez? Oui, je ne sais pas qui c'est. Là, je sais que c'est Scream. Oh, j'ai son nom sous le bout de la langue, hein, lui. Mais je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, celui-ci, c'est des tasses de crème glacée d'horreur. perles rondes 50-40 cm, 7,99 $, soit 7,37 €. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que les modèles que je vous ai montrés ben, vous plaisent également. Peut-être que vous les avez déjà ou peut-être que ça ne vous plaît pas. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous... Donc, je crois que je n'ai pas de code promo normalement. Mais bon, si jamais j'en aurai un, je vous le rajouterai en barre d'infos. Moi, je remercie beaucoup la boutique DP Club. Voilà.
Je vous remercie également. J'étais partie sur mon livre, je pensais que j'avais oublié quelque chose. Je vous remercie beaucoup également d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.